Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes et produits pour nettoyer la jante de cette Ferrari F430. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Formation Detailing dans la rubrique des ateliers du detailing qui s'adresse aux amateurs passionnés d'esthétique auto. Je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre de manière ludique à entretenir votre véhicule, nous organisons régulièrement des ateliers d'initiation pour les particuliers, les membres de clubs et de forums auto, et également des coachings privatifs totalement sur mesure. Vous avez toutes les infos en description sous la vidéo. Allez, petite vidéo rapide pour vous décrire les différentes étapes, les produits et les accessoires à utiliser pour nettoyer la jante de votre véhicule. Comme tout process de lavage ou d'entretien de votre véhicule, vous porterez un équipement de protection adéquat. Et bien sûr, vous travaillerez toujours sur un véhicule froid et à l'ombre. Alors la première étape sera de dégraisser les flancs de pneus et les parties intérieures du passage de roue. En termes de produits, il vous faudra un APC, donc un nettoyant polyvalent, toute surface, que vous diluerez en version hard. Quelques exemples de produits, l'APC de chez Meguiar's, celui de Valet Pro, le Pulituto de chez Fraber, le Green Star de chez Cochimie, et vous pouvez même utiliser le Netor de chez Fictec pour des pneus fortement encrassés. La seconde étape va être de dégraisser la partie centrale de la jante. Nous utiliserons pour cela un nettoyant spécifique, comme par exemple le Bilberry de chez Valet Pro ou encore le P7 de chez Alchimie 7, nettoyant jante sans acide. Et si votre jante présente des particules ferreuses, vous utiliserez alors un décontaminant ferreux, comme par exemple l'Iron 7 HD de chez Alchimie 7, ou le Extreme Wheel Cleaner de chez Binder, qui sont des nettoyants toute surface et décontaminants ferreux intégrés. Sinon, vous avez le Premium Iron Remover de chez Binder également. Pour aller plus loin dans le process de décontamination chimique, vous pourrez utiliser également un dégoudronnant, comme par exemple le Citrus Tar & Glue Remover de chez Valet Pro. Allez, maintenant, place aux différents outils. Il vous faudra bien sûr un seau, un gant microfibre ou une microfibre standard pour les endroits difficiles d'accès. Ensuite, il vous faudra une brosse pour les flancs de pneus. Un lot de pinceaux. Une brosse anti-rayures pour le passage de roue. Une brosse, là encore à poil souple, pour la face extérieure des jantes. Et encore un lot de pinceaux pour les goujons de roue et autres endroits difficiles. Petit récap des produits que j'ai pris pour le nettoyage de la jante de cette F430, l'APC de chez Meguiar's, le Netor au cas où, le P7 d'Alchimie, et j'ai sorti également l'Extreme Wheel Cleaner si besoin, et je me réserve également le dégoudronnant. Allez, c'est parti pour le nettoyage. I traveled there
there, looking around for you. I can sit there, longing for you. Dernière étape, le séchage des jantes et des pneus. J'utilise pour cela le sécheur à air filtré de la marque Big Boy, le Blow Air Pro. Et je termine par l'application Drain Dressing spécifique pour les pneus. Ici, j'utilise le Pearl de CarPro dilué en 1:1 pour les pneus.
Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à parcourir les différentes playlists de la chaîne pour voir les autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne.